Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit déballage. Un casque cirque moral de la marque française Wright. C'est le Tio. Alors la raison pour laquelle je voulais vous présenter ce casque, c'est que par rapport à des casques intra euh, qui sont uniquement Bluetooth, ici on a un casque Bluetooth mais également filaire. On va donc pouvoir utiliser Apple Lossless. Alors néanmoins on est quand même sur un casque d'entrée moyenne gamme. Donc on ne va pas pouvoir tirer euh, parti d'Apple Lossless comme pourrait le faire un casque à 400 ou 500 euros. Allez c'est parti, place au déballage. On a un câble jack 300. Vers 3.5, j'aurais bien mis un 6.35 vers un 3.5, mais la connectique ne le permet pas. Et puis on a un câble qui me semble de bonne qualité, USB A vers USB-C pour recharger le casque. Alors je m'explique pourquoi la connectique ne le permet pas. C'est techniquement possible si la source est en 6.35 euh, vu qu'on a une entrée 3.5 dans le casque, mais on a simplement une seule entrée, on n'a pas une seconde entrée, donc c'est plus logique d'avoir mis du, 3, 5 vers 3, 5 du 6, 3.5 vers 3.5 que du 635 vers 3.5. à propos définition maintenant, tout me semble correct. J'ai noté aucun défaut. L'arceau est bien rempli. Et au niveau du confort, franchement, il est très confortable ce casque. À propos des oreillettes, là aussi, c'est bien rembourré et euh, donc vous ne serez pas serré particulièrement et c'est très agréable aussi à porter. Petite remarque concernant les oreillettes si vous souhaitez écouter le son sans porter le casque, c'est possible. On peut donc tourner l'oreillette de cette façon. Par contre, on va pas aller loin. Regardez, euh, je peux pas bouger beaucoup plus que ça. Les oreillettes, c'est pas un casque de DJ. Néanmoins, les oreillettes ne sont pas fixées à la parallèle. On peut voilà modifier à la perpendiculaire euh, les oreillettes et puis évidemment les poser de cette manière. Concernant les boutons, alors on n'a pas de tactile avec ce casque, on a des boutons physiques uniquement sur l'une des deux oreillettes, euh, avec donc le volume plus, le volume moins, la possibilité d'allumer ou d'éteindre le casque, et puis d'allumer ou non l'ANC. L'arceau est extensible ou rétractable, ça dépend de quel point de vue on se place, euh, et ça me semble assez résistant, ça permet à la plupart des têtes d'être enveloppées, et c'est vrai qu'il ne sert pas, euh, on l'oublie assez facilement. Allez, on va faire un tour du côté des boutons. Donc, ici, j'ai le bouton d'allumage. On maintient quelques secondes pour l'allumer et pareil pour l'éteindre. Et on a le bouton d'ANC, c'est on/off. Juste après, on a deux micros. On a le casque, donc c'est du Jack 3.5. Et on a la prise qui permet de recharger en USB-C le casque. Et puis, à propos des micros, donc c'est si vous recevez un appel, évidemment, vous allez pouvoir parler à votre interlocuteur. Objectivement, le son est un petit peu lointain. C'est pas le point fort, en tout cas, de ce casque. Et puis, pour terminer, la revue des boutons le volume plus et le volume moins. Pour l'installation, aucune difficulté, on va dans les réglages Bluetooth, on allume le casque, on sélectionne Right TO et c'est parti. A propos de la qualité sonore maintenant, c'est une bonne surprise, notamment à ce prix-là. On a quelque chose d'équilibré, euh, on n'a pas des basses surprésentes qui viendraient baver sur, sur, sur les morceaux, j'aime pas trop ça. Euh, et puis surtout, lorsqu'on a des décrochages un petit peu sonores, lorsque le, le son est un petit peu plus fort, souvent à des, avec des casques à ce prix-là, on a quelque chose qui, qui sature un petit peu, qui grésille presque, là c'est pas le cas, ça reste maîtrisé, c'est vraiment très bon. Alors j'ai quand même un regret, c'est que je trouve qu'il manque un petit peu de dynamique, et j'aurais aimé euh, que ça soit un petit peu plus péchu. A propos du confort, rien à redire, il pèse 240 grammes, il est très léger et vraiment très confortable. Autre caractéristique technique, ce casque embarque de l'ANC, alors en plus de sa conception qui permet de retirer euh, pas mal de bruits parasites déjà, on a la possibilité d'activer ou non euh, l'ANC. Personnellement, je l'ai pas trouvé très efficace, alors ça retire un petit peu des bruits dans les graves, très peu dans les aiguilles objectivement, euh, c'est pas quelque chose que j'ai activé souvent. A propos des commandes maintenant, si vous appuyez longuement sur le bouton d'allumage, ça va l'allumer, ou l'éteindre s'il est allumé. Si vous appuyez une fois simplement, ça va soit lancer la lecture, soit mettre en pause. Deux fois, vous allez appeler le dernier appel. Si vous appuyez longuement sur le volume plus, vous allez passer à la piste suivante. Et si vous appuyez longuement sur le volume moins, vous allez revenir à la piste précédente. En conclusion, on a un casque avec pas mal d'atouts, la qualité sonore est très correcte, équilibrée et précise. On a un casque qui se porte très facilement, qui est très léger, et puis côté autonomie ça se recharge en 2h30 on a une autonomie de 8h si on utilise l'ANC et 16h si on ne l'utilise pas j'ai beaucoup aimé le côté filaire et Bluetooth, c'est vrai que j'utilise pas mal les casques avec fil. Euh, et puis alors côté Bluetooth, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, hein. c'est du Bluetooth 5, la portée euh, est entre 10 12 mètres d'après mes tests, et euh, d'ailleurs j'ai pas eu de saute particulière, ça me semble stable. Et puis je terminerai par deux points négatifs, les micros qui me semblent pas vraiment efficaces, trop lointains, ça résonne, c'est pas génial. Et puis euh, l'ANC qui me semble quasiment pas efficace, alors personnellement moi ces deux points me gênent pas, c'est pas des choses que j'utilise en tout cas pour ce type de casque. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le casque Hite, TiO, ça coûte 80 euros. Je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.